Salut à tous, c'est Rakipu et aujourd'hui on teste un vieux jeu électronique de 1981, Parachute. Alors j'ai jamais été très doué à ce jeu. Donc le but, c'est il y a un hélico, il vous parachute des petits bonhommes au-dessus d'un fleuve. On comprendra jamais trop vraiment pourquoi, mais bon. Si vous n'arrivez pas à les récupérer, ben c'est simple, ils servent de casse-croûte aux requins. On a 3 vies pour s'en sortir. C'est parti. Alors j'aimerais au moins essayer d'arriver aux 100 points. Mais alors j'ai toujours été très très nul à ce jeu-là. Moi, mon truc c'était plutôt le Octopus. Nom de Dieu. Bon là ça arrive encore mollo, hein. Le mec il est gentil, il te les parachute par 3. Mais faut pas s'inquiéter, ça va sûrement accélérer dans un moment. Hop, ok. Là c'est bon. Bon pour le moment ça va, c'est gérable. Je m'attendais déjà à perdre des vies à ce stade. Il faut bien observer les patterns. Wow, c'était juste les amis. Là, ok. Ah putain, bon bah voilà. Un mort. Ah, deux morts. Des hommes à la mer, mon capitaine! Bon, je sais pas si j'arriverai aux 100 points. Là, c'est mal barré avec une vie. On arrive tout juste aux 60 points. Hop! On va faire notre possible. Oh là 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 là, mais c'était l'enfer! L'enfer des cours d'école, ces jeux. Je vous dis que quand la Game Boy est arrivée après, ah, putain, on était bien contents. Hein, parce que là. Non, le dieu! Ah, et ben voilà, c'est terminé. C'est terminé, trois hommes sont morts, les requins sont bien nourris. Voilà, c'était une petite démonstration très rapide de parachute, j'espère que ça vous a plu. C'était le Rakipu. Peace, restez rétro.